Alors, le Skoda Enyaq RS, le Enyaq iV, une mise à jour qui va permettre de gagner de l'autonomie et de la puissance. 340 chevaux au lieu de 300, du coup, de quoi battre le 0 à 100 en 5 secondes 5. Alors, grâce à une mise à jour seulement, ils vont gagner 40 chevaux. C'est étonnant. Une modif possible grâce à un recalibrage des moteurs et un nouveau logiciel de gestion de puissance. La mise à jour sera dispo à la fin du mois. Il fera de cette version électrique du Enyaq le modèle de série le plus puissant jamais commercialisé par Skoda. Le gain de puissance ne se fait pas au détriment de l'efficacité, au contraire. Les ingénieurs de la marque ont même réussi à augmenter l'autonomie. C'est léger, mais la mise à jour permettrait de gagner 25 km quand même. Le SUV peut parcourir désormais environ 550 km sur une charge. La recharge augmente aussi, 175 kW sur un chargeur rapide. Alors, il y a une erreur dans l'article, hein, c'est DC, pas AC du coup. Contre 135 avant. Eh ben, que des bonnes nouvelles, du coup. Alors, pour être précis, on gagnerait 33 km d'autonomie. Et une seconde sur le 0 à 100. C'est vrai que 6 secondes 5, au final, c'était pas terrible. Hein. Là, on gagne une seconde, c'est pas mal. Mais quand même, le prix, 62 000 euros, ça pique. Puis la couleur, elle pique aussi. En bleu, c'est mieux. Bon, allez, bref, j'arrête là. Je vous laisse commenter.